Allez, c'est parti. Donc, la dernière fois, on s'est laissé devant le Devil Baby. Et aujourd'hui, on va voir si je vais enfin réussir à battre Devil Baby. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et tu as aussi le lien pour aller revoir tous les let's play depuis le début. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo d'Arnaud qui est le programmeur du jeu The Cursed Knight et qui va t'expliquer tous les secrets de programmation de ce fabuleux jeu. Nous, c'est parti, on va aller latter de Devil Baby. Alors, évidemment, c'est plutôt nous qui nous faisons latter dès le début. Allez, c'est pas grave, on y retourne. Devil Baby, c'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce truc qui tourne autour et qui risque bien de nous embêter. Des monstres qui viennent, qui arrivent et qui repartent. Il pleure des gouttes de sang. Je n'y ai pas encore enlevé un seul point de vie. Ah ah ah. Ok. Allez, cette fois-ci, c'est bon, on a compris. Ouais, il faut aller lui latter sa petite tête. Ah. D'accord, j'ai déjà perdu deux cœurs. Allez, c'est pas grave, on y repart. Allez, première attaque. Donc deuxième attaque, si tu as bien vu, il y a une plateforme qui va apparaître. Voilà. Cet endroit me semble être le plus approprié pour esquiver. Tant que faire se peut ces attaques. Oh là là, ouais, d'accord, j'enlève 10. Ah ok. Allez, ça va. Deuxième type d'attaque, les spikes qui nous tombent dessus. Et voilà. Donc autant te dire que ce boss est magnifique. Il fait penser un petit peu au boss dans Splatterhouse. Dis-moi si tu as déjà joué en Splatterhouse dans les commentaires. Allez, Calder, tu peux le faire. Et non, je me suis encore fait la terre. Ok, c'était juste pour tester. Alors ici, on va essayer de regarder où atterrissent les larmes du bébé pour voir où est-ce que c'est le mieux pour les esquiver. Mais j'ai l'impression que celle-là où je suis. Voilà, c'est bon. Alors ici, il faut que je fasse attention à cette boule qui tourne. Allez, on est bon. Ah, non. Alors donc deuxième attaque, les pics. Voilà. Tu as vu, on a bien retenu. Troisième attaque. Allez, on va voir maintenant les larmes du bébé. Allez, c'est maintenant qu'on passe à l'attaque. Alors là, avec un seul point de vie, il faut que je touche au moins 5 fois encore. Ça va être complicados. Mais bon, sait-on jamais. Eh ouais! Allez, ne change pas de pattern, s'il te plaît. C'est bon. Le pleur du bébé. Derrière ce magnifique décor. En fait, c'est un décor qui tourne en boucle. Tiens, j'ai essayé, puisque tu sais que j'ai du mal à me concentrer quand j'en suis là. Allez, maintenant, c'est à nous de jouer. Il ne reste plus que 4 coups à lui mettre. Allez, les piquer. Il ne reste plus que 2 coups à lui mettre. On est bon. Les créatures. Le pleur du bébé. Allez, si tout va bien, on le latte ici. Et maintenant, The David Baby. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Et bim! On a détruit The David Baby!
Est-ce qu'il va y avoir une troisième boss? Bravo! Alors, regarde, j'ai perdu 123 vies et j'ai perdu 1h35 de ma vie pour réussir à passer le niveau précédent et le Baby Devil. Allez, on continue. C'est la dernière ligne droite. Calder doit rejoindre le temple du dieu Cube. Des machines anciennes, insensibles au tir, vont lui barrer la route. Il va falloir ruser pour passer. Allez, dernier tableau, peut-être dernier tableau. Ouh, très très joli, ça me rappelle Another World, un petit peu tous ces tons pastels. Ici, on a les nuages qui passent au-dessus et en dessous. Stage 5, hop, toujours l'effet un petit peu. Et maintenant, on est dans le mode shoot'em up. Allez, c'est parti. Alors ici, les ennemis, hop, on l'air un peu plus coriace. Alors, celui-là, je n'arrive pas à le battre depuis tout à l'heure. Allez, on y est reparti. Donc ici, les nuages, pour faire un effet de transparence sur Mega Drive, on ne pouvait pas gérer l'effet de transparence. Donc, l'astuce, c'était de dessiner un pixel sur deux. Eh oui. Voilà, il fallait avoir beaucoup d'imagination quand on était développeur de jeux vidéo dans les années 90. C'était pas tout cuit. Aujourd'hui, tout simplement, hop, on travaille sur l'alpha des couleurs et on a des couleurs automatiquement transparentes. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi simple que ça. Donc ici, voilà, pattern des ennemis qui vont venir. Alors là, les ennemis, par contre, me paraissent indestructibles. J'ai raté le cœur. Alors ici, les saves, il me semble qu'elles sont quand même automatiques. J'espère, comme c'est le dernier tableau. Eh ben non, raté. Alors, ouais. Alors, on va un petit peu jouer là-dessus. Je vais voir si j'arrive. C'est que tout simplement, l'ennemi est programmé pour m'envoyer des tirs là-dessus. Et logiquement, si je me déplace doucement, je devrais pouvoir tout esquiver. Voilà. Donc, comme d'habitude, tu sais que quand je parle, j'ai du mal à me concentrer. Alors, ils sont deux à me tirer là-dessus, en plus. J'ai encore raté le cœur. Alors, merci par contre d'avoir programmé des tirs verts. Au moins, on les voit bien. Ha. Allez, c'est reparti. Voilà, comme la plupart des jeux de cette époque. Donc, dextérité, hein, voilà, pour esquiver tout ça. Donc là, ils sont deux. Donc là, c'est plus compliqué. C'est les tirs croisés. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'ils tirent à une cadence qui est fixe. Donc, tu vois, hop, on peut esquiver les balles en faisant ça. Allez, voilà, ici. Et maintenant, ils sont trois. Voilà, toujours pareil. Donc, je vais essayer de jouer sur la cadence des tirs. Voilà, tu vois, puisque les tirs tirent exactement à la même vitesse. Donc, on va essayer de jouer là-dessus pour les esquiver. Et on y est arrivé. Ouf! Là, maintenant, les ennemis viennent de chaque côté. Donc là, voilà, vraiment beau changement par rapport aux autres shoot'em up. C'est que les ennemis arrivent des deux côtés et que franchement, c'est pas un truc qui est très facile à gérer, le fait que les ennemis viennent de gauche et de droite. Mais là, c'est très, très bien géré. Donc ici, voilà, toujours pareil. On va jouer sur le fait que les ennemis ont la même cadence de tir. Ok, allez, on y arrive. Parfait. Ouais. Alors, j'essaie de rester concentré, de pas trop parler. Mais là, ça va être difficile. Donc ici, tu vois que ça commence un petit peu à se corser. Alors, je te cache pas que je vais commencer à utiliser les save states. Parce que sinon, il va y avoir des sacrés montages. Et je vais devoir couper un paquet de minutes. Waouh, ici, donc voilà, hein, c'est tir croisé, c'est parti. Alors, entre-temps, j'ai joué sur PSP à ce jeu. Donc, entre-temps, comme je te disais, j'ai joué sur PSP à ce jeu. Alors, pas que le jeu est sorti sur PSP, mais que tout simplement, j'ai un émulateur Mega Drive sur ma PSP, ce qui me permet de pouvoir mener un petit peu ce jeu où je veux et pouvoir y jouer quand je veux. Alors, ici, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur la version PSP que je n'ai pas pu faire ici en Let's Play? Mais j'ai tout simplement réussi donc à récolter les 5 cœurs de vie, voilà, que j'ai pas réussi à récolter ici. Donc déjà, voilà, donc même avec les 6 steps, c'est assez difficile. Donc j'ai récupéré les 5 cœurs de vie.
Et j'ai récupéré surtout les 3 diamants. Alors, je ne vais pas te spoiler ce qui se passe quand tu récupères les 3 diamants. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, tu as un nouveau pouvoir en fait qui se débloque. Voilà, je ne te dirai pas quel pouvoir. Alors, je t'avoue que là, je m'y prends un peu comme un épileptique. À force de vouloir un petit peu tout esquiver. Alors, ici, on se rapproche du boss. Enfin, ça y est. Donc, le boss, moi, je l'ai déjà affronté sur PSP. Donc, du coup, je vais avoir un petit peu moins de surprises. Mais je ne sais pas si je vais réussir à le battre aussi facilement. Surtout qu'il me semble que j'avais galéré déjà avec 5 cœurs. Donc, je ne te dis pas comment je vais galérer avec 3 cœurs. Alors voilà, tu vois, ici, 26, voilà, tu as toujours les points de vie du boss. Ici, donc, on a la pluie. Alors, la pluie, je trouve qu'elle est vraiment sympa ici. Voilà, les sprites sont très serrés. Là, tu verras dans certains autres jeux, la pluie est moins bien serrée. Voilà. Donc, ici, le boss vient là et il va prendre une deuxième forme. Donc, comme je te disais ici, hein, j'utilise désormais les save states parce que vraiment, là, je commence à galérer sur le jeu. Et puis, si tu as vu ma précédente vidéo, tu as vu mon super record sur ce jeu, voilà. Hein? Donc ici, je me concentre en fait plus sur les petites balles rouges plutôt que sur vraiment le fait de devoir toucher l'ennemi. Allez, on va bientôt terminer. Il va bientôt avoir sa nouvelle forme. Voilà, à chaque fois, nouvelle forme. Allez. Encore ici, c'est parti. Donc tu vois le point faible du monstre, hein, forcément. Je pense que tu as compris. C'était l'assiette qui est plus claire que les autres. Voilà, oui, j'appelle ça le boss assiette parce que voilà, c'est un boss, il n'est pas sympa. Et bien j'ai envie de l'appeler le boss assiette. C'est tout, c'est comme ça. Allez, on esquive encore tout ça. Donc ici, voilà, à chaque fois, changement d'état. Et bim! Allez. Donc au fur et à mesure, voilà, c'est de plus en plus difficile. Ah ouais, ici, je me rappelle que j'avais galéré et j'avais 5 heures. Voilà, donc là, on va bien voir un petit peu comment ça va se passer. Allez, 17. Ah, ouais. On est bon, 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 on est bon. Allez, on est bon, 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 on est bon. Il ne me reste plus que 2 cœurs pour le latte effect. Alors voilà, là je me souviens plus vraiment comment j'avais fait. Ouais, c'est ça, voilà, je le chopais en plein au passage. Hein, d'accord, donc tu as vu que la couleur elle change au fur et à mesure. Voilà, là j'arrive à le choper. Ah là 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 là, allez, on va bientôt y arriver. Alors, je ne me rappelle plus combien il a de transformations. Ah, bah oui, non, mais en fait, c'est ça. Le prochain coup, il ne restera plus que 3 modules. Et le prochain coup, bien évidemment, 2, puis 1, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on le batte. Allez. Ok. Oui, ça y est. Donc là, je me rappelle, je m'étais mis dans son cercle d'amis, même si ce n'était pas mon ami. Et j'avais commencé à le canarder. Alors, il me semble que là, par contre, la fin va être complicados à gérer. Alors, surtout si je perds ici des points. Ok, on y est presque. Allez. Allez, on y est presque. Ici, il faut vraiment esquiver. Voilà, ici, en fait, celui qui est faible ne tire jamais et c'est celui qui est fort qui tire. Voilà. Donc toujours pareil, tu sais que je t'avais expliqué, tu peux tirer un coup à gauche et un coup à droite. Voilà, alors là, je ne regarde plus trop ce qui se passe en fait. Je suis concentré sur mon personnage pour esquiver. Allez, hop, allez, c'est la dernière transformation. Allez, Freezer! Allez, dernière épreuve ici. Dernière épreuve, il me semble qu'après... Ouais, c'est ça, il change de sens. Ce petit malin. Allez, on va l'attendre ici. Attends. Je ne peux pas changer les armes. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là on va attendre un petit peu. Allez, 17, 11, 8, 2. Et bim! Ça y est, on a battu l'assiette maudite. Voilà, allez. Calder a réussi à rentrer dans le Spirit Castle. Va-t-il y perdre son âme? Va-t-il survivre face au Metal Snake?
Tout ça, tu le sauras dans le prochain épisode des aventures de Caldère dans The Cursed Night. N'oublie pas le pouce de la victoire parce que c'est un super jeu, super programmeur, super bande qui a programmé, super joueur qui est moi-même avec mon t-shirt Pac-Man. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Allez, à bientôt, salut, ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit.